Oh là là, qu'est-ce que je suis sérieux aujourd'hui? Ouais, non, j'ai pas envie de rigoler. Parce que je viens de voir un film, et c'est un film où il y avait un monsieur, il rigolait beaucoup, et quand il rigolait, c'était pas. C'était plutôt douloureux, quoi. Et j'ai besoin de me changer les idées après ça, c'est horrible. Oui, j'ai vu le Joker, et ça m'a. J'ai eu l'impression de regarder un film sur la torture animalière pendant 2 heures, quoi. C'est moche. Et le film est vachement bien quand même. Mais c'est. Oui, c'est. Faut avoir envie de le regarder, quoi. Surtout quand on est un petit peu plus sensible que la moyenne. Mais bon, on a tous nos petites sensibilités dans certains domaines, et puis voilà. Et aujourd'hui, on va jouer à The Alien Cube, parce que comme moi, je suis certain que vous n'avez pas peur des aliens. Avec tous ceux qu'on déboîte dans les shmups que je vous montre en plus, y a pas de raison qu'on en ait peur, franchement. À la fin, on gagne toujours. On a plus de crédit qu'eux. On a toujours de la petite monnaie à mettre dans les bornes. Ils le savent pas, ces couillons, depuis le temps, ils devraient arrêter d'essayer de nous envahir, quand même, c'est idiot. Oui, je parle très très vite, parce que hier soir, j'ai vu le non-stream de Dolin avec Squeezie, et c'était énorme. J'avais jamais vu un stream de Squeezie. Dites-le pas, répétez-le, faut pas, rien. Le mec, quand il parle, on dirait qu'il en a trop pris, quoi. Alors, je sais pas si c'est l'effet d'être jeune, ou l'effet d'en avoir trop pris, mais voilà, vous imaginez, moi, si je parlais comme ça. C'est une clarinette, le mec. Bon, je m'égare, on va jouer au lieu de dire des saloperies. C'est peut-être le Joker qui déteint déjà sur moi. Je vais rigoler un petit peu, on va voir si c'est pas mal. Non, il fait vraiment le sérieux, le mien, en comparé du sien. Comme il a dû en chier s'il avait plusieurs prises à faire, le pauvre acteur. Je compatis totalement et je le plains un petit peu. Allez, adieu la musique, on va lancer le jeu. J'ai mis la manivelle, j'ai vérifié que j'avais foutu le frein à main. Et je vais tourner un petit peu, là, je tourne. Ah, Alessandro Guzzo. Donc oui, mise en contexte, c'est important quand même. Parce qu'il y a moyen d'être vachard avec ce jeu, probablement, très très facilement. Mais je vais insister quand même sur un point. Je vais vous faire la capture, ce sera mieux. The Alien Cube, ça y est, je l'ai. Bientôt chez vous. Maintenant chez vous, normalement même. Bim. Voilà, on est pas mal. En quelle résolution m'a foutu? Faut pas qu'il m'ait foutu en 2560, cette machine n'est pas faite pour. Bien que. Et donc, je reviens à ma mise en contexte. Donc, c'est un petit gars tout seul qui fait l'intégralité de ses jeux tout seul. Le mec s'est récupéré un kit de dev, mais il s'estime capable de gérer tout le truc. Et donc, il avait fait un précédent jeu dont je vous ai fait le run complet, hein, c'est The Land of Pain. J'avais un peu gueulé pendant le run, parce qu'il y a des moments, c'est assez décousu, quoi. On sent que le gars, avec les montagnes de boulot qu'il devait avoir derrière, entre les objets à incorporer, avec un peu de procédural quand même pour générer des environnements fouillés, tout en n'y passant pas des semaines complètes, et puis faire au milieu quand même un petit mapping plus ou moins, non, très dirigiste, on va dire quand même, Du joueur pour qu'il explore, qu'il s'aventure et qu'il fasse des bons tant qu'à faire. Je sais pas combien de temps il a passé, notre ami, à développer son jeu, mais mine de rien, il l'a fini et il l'a sorti, quoi. Donc respect quelque part. Non, respect même intégral. Et donc là, il a sorti ce nouveau jeu, The Alien Cube, dont il vient tout fraîchement, hein, c'est il y a quelques heures, de balancer la démo sur le net. Bonne nouvelle, vous pourrez l'essayer également si ça vous intéresse, puisque normalement elle devrait être dispo sur Steam aussi. On y va? Mes contrôles peut-être, non? Parce que j'ai pas envie d'avoir l'air d'un. On peut pas les changer, merde, pourvu que le pad soit pris. Parce que là, ça va être chiant sinon. Bon, on va imaginer que le pad va être pris, ce serait bien. Select input device. C'est pas encore actif. Contrôleur Kemus ou. Ouais, on va prendre le pad, c'est moins risqué, sinon je vais vraiment me prendre la quiche. Alors, move, look, jump, crouch, sprint, you stake. Bon, on verra bien, il n'y a rien de compliqué. De toute façon, ça va être encore de l'exploration, je présume. Moi, je vais monter un petit peu le retour de son pour être un peu immergé moi aussi, donc tant pis pour vous si ça passe dans le micro. Oui, je stream toujours sans casque. Et oui, le motard fou du stream. Contrôleur, back, c'est bon, allez, roule. Et donc, bah, on va voir ce que notre ami Fabio nous a fait pour The Alien Cube. Je
fait un petit café, j'ai fait le ravitaillement en eau. J'ai oublié de ramener le rhum au cas où ça se passe pas bien, mais c'est pas grave, je vais le chercher. C'est bien long Monsieur? Monsieur! J'ai l'impression que tous les jeux ont tendance à vous pousser au cul pour les installer sur une partoche SSD pour être tranquille sur les temps de chargement, parce que là. The event. Let's go, amigo! Examiner quoi. Allez, on va bouger. Alors, je me demande s'il m'a pas encore rechangé la résolution là, parce que je trouve que c'est d'une très très grosse qualité pour du simple 1280, c'est bizarre. Alors, c'est moi qui paranoïe, mais je pense pas paranoïer. Monsieur, ça va? Un petit coup de main? Je vais faire ma balance son, monsieur, si vous permettez, hein, 2 secondes, c'est un halte tap, ça fait pas mal. Hop, je vais baisser le son du jeu parce que je pense qu'il a un poil fort et j'ai pas envie de couarner vu que je suis en rubé. Merci pour votre compassion. Monsieur, c'est Romain. On m'entend mieux, regarde. Mais on t'entendra aussi, toi. Hein. C'est un trou, ça, c'est quoi? Non, mais non, mais non, mais non. Ok, on va dire que. Tout va super bien se passer, anyway. Examine. C'est un crâne quoi. C'est vrai que j'ai pas réglé ma gamma, c'est un petit poil sombre. On se fait l'option de gamma. Allez. Graphic settings. Il n'y a pas de réglage gamma. Ah si. Ah mais il fait pas un apply tout de suite. Ça va être la merde. Bon, on va se faire un petit plus 1 et puis ça devrait aller comme il faut. Et je vais commencer sur le apply, bonhomme. Me remets pas en fenêtré. Je le vois gros comme une maison, ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Please reload game from menu to apply change. Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Ah, puis il m'a vautré, là. C'est vraiment une démo. Oh, merde. Ça va être le stream de tous les scandales. Et j'ai mon curseur qui se barre. Le bug de Steam. Quand on a un pad de connecté et que votre curseur souris du coup après se met à faire un petit jogging. Bon, je vais tuer la tâche, je vais débrancher le pad. On va relancer le jeu, on va y arriver. Oh putain, j'adore ça. Je répète. J'adore ça. Je dois être un des streamers les plus patients de l'univers, quoi. Enfin, au moins de France, je pense. On y retourne. On va se retaper le chargement de deux plombes. S'il y a du crouche, c'est que c'est pas obligatoirement pour passer dans des endroits. Gérard, arrête de faire le con, s'il te plaît. Bah, mais non, mais. Oh, il est chiant, tout le temps faire le couillon pour se remarquer dans les streams, Gérard. Ça, on a déjà vu, hein, donc apparemment, c'est pas animal. On y voit un petit peu mieux sur la gamma, mais je vais pas y retourner, j'ai pas envie que ça plante encore. Donc voilà. Il me dit même pas examiner cette fois, on se connaît, il en a plus rien à foutre, quoi. Bientôt, il va me tutoyer ce jeu, je pense. Alors apparemment le développeur est un grand fan de Cthulhu. Ça se voit un petit poil parce que. Oh non c'est bon.
Ça se voit un petit peu dans ces bouts de scénario qui rafistolent et qui lui servent à faire des pirouettes scénaristiques que je trouve vraiment un peu trop faciles, quoi. Donc là, je m'attends quand même à quelque chose, qui a un bout d'histoire qui soit un peu plus cohérent que ce qu'on avait eu dans The Land of Pain. Je vais aller voir quand même, je suis curieux. On te laisse aller dans un endroit, tu y vas. Hein. Je vais voir le dehors. Julian, hop là, bon bah tant pis pour WAM. Alors courir gâchette de droite, ok. Je suis connement le truc. Hein. Tu es enfermé, il faut que tu trouves le mécanisme, comment il marche. Non. Ah. Il manque un engrenage. Ah. J'ai peut-être un invité. C'est ce que je me demandais. C'était la question du moment. Alors, ça crouche. Ok. Je sais pas pourquoi. Petite intuition, on va dire. Gérard, c'est toi? T'es arrivé à te libérer tout seul? C'est une bonne nouvelle, ça. Bon, ça, c'est éteint. Gear, je peux en prendre un. Eh ben, je vais le prendre. Est-ce que je le mets là? Non, c'est pas fait pour. C'est fait pour ramener de l'autre côté et que t'actives ton truc. On va rusher un peu quand même. Salut, je viens pour le... Voilà. Ouh, les yeux, ça pique. Alors le démarrage est un peu abrupt, vu que c'est une démo, je sais absolument pas si le jeu, quand il sera fini, il démarrera dans le même contexte. Ce qui est pas dit. Hein. Ah, c'est pas moche. Hein. Oui, solo le gars, solo. Alors je vous rassure, il y a les outils procéduraux, ils sont pour quelque chose. Mais ça fait pas tout non plus. Hein. On va suivre bêtement le bord. Hein. Parce que la bêtise et moi, c'est une grande passion, vous le savez bien. Et je pense qu'il faudrait essayer de trouver un passage pour aller de l'autre côté, non? Ah, saute. Quoi de mon livre. Moi, je me ferais bien le jump comme ça. Hein. On peut aller loin là-bas, j'ai l'impression. J'ai pas envie de me perdre. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de changer de côté de berge. On va aller voir, mais... J'ai pas trop de conviction sur ce côté-là. Surtout qu'une fois que je serai descendu là, je serai descendu là, quoi. Hop. Trop tard, on revient plus en arrière, les gars. Je sais pas où c'est qu'il allait dégoter la musique, mais du coup ça change bien le. Le jeu. Hein. Je crois qu'on a un problème. Ah, j'en ai plein les fringues.
Ah non, pas que je me plante dans le décor, c'est ma grande spécialité ça. Yo, j'évite. Il veut pas que tu passes, il veut pas que tu passes, vas-y pas. Pas par là. Not this way. Pense à Aerosmith. This way ça crame un peu apparemment, mais bon, je peux faire le couillon hein. Bon, il veut pas qu'on passe par là. Donc ça doit être ailleurs. J'ai préparé le café. Was I dreaming? Probably, mon ami. Probably. Je vais passer un coup de fer à repasser pour appeler quelqu'un et je me laverai les pieds après avec la brosse à dents. Non? Oui, c'est le mec pas réveillé quoi. C'en est un. Alors, il reste très très dirigiste. Hein. Il fait faire des trucs qui. On sent que c'est là quand même pour meubler. Kinesse qui gringue. Ça, il y a que les mille filles meurent qui peuvent la comprendre celle-là. Bah non, c'est peut-être la croumie. Non, la cicrane. Ouais. Les jeunes, regardez pas ce que c'est hein, comme référence. Parce que là, on va perdre 10 points de charisme dans vos cœurs. On va en mettre beaucoup plus, je crois. Allô? Who is there? Oh, letter! Un peu de lecture. Sacré entre Edgar. Donc il me laisse un truc, puisqu'il a disparu. Et on va aller dans la vieille cabane, dans la montagne, isolé, dans le froid. Et les bruits bizarres aussi de la nature. Et allons-y quoi. Let's go. You need a key? Non? Oui? Moi, très honnêtement, en tant que dude, aller me balader à l'aventure en forêt en pyjama, c'est pas le genre de truc qui me ferait peur. Oh que non. Par contre, c'est hors de question que je sorte sans une bouteille de Kahlua quoi. Soyons raisonnables quand même un minimum. The dressing room. Where is the dressing room? I don't know. Bah on va trouver. La. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Un inter. Que dalle. Pof. Hop. On va faire ça vite. Dans la chambre. Les fringues. Bah oui. Change. Change. Code change. Il y a cette icône de clé qui est en bas là qui m'inquiète un petit poil. Tiens, d'ailleurs, sur la capture aujourd'hui, je n'ai pas mis le bandeau de Big Gimowski. C'est peut-être lié à la dernière fois où j'étais énervé. Et je voulais pas que le stream soit griffé TBG. Ou que je dise vraiment d'énormes méchancetés. On va essayer de sortir comme ça. Je pense qu'il va me demander une clé, mais bon. Vous connaissez mon légendaire optimisme. Hop là. Putain, il va tout me faire chier. C'est bien fait, hein. Voilà. Je vais prendre mon PC parce que je suis un geek. Pip, poup, poup, pip. Where is my... Ah bah, ça, je vais en avoir besoin. Prends. Des cassettes, je veux. Huey Lewis. Fireplace, pourquoi j'ai appuyé là-dessus, pitié.
Je vais laisser ça comme c'est, tu vois, ça va foutre le feu à la baraque, ce sera très bien. Putain, il y a plein de cassettes. Regardez-moi ça, du Jermaine Jackson, incroyable. Oui, toujours les références de vieux, j'adore. Des books, fantastique. J'ai pas mon cassette player quelque part là. Je cherche ça, je suis contrarié, je suis énervé, je vais prendre le téléphone, ça fera affaire. Hein. Non? Ok. Qu'est-ce qu'il foutrait dans la cuisine, le cassette player entre nous? Ouh, ça a l'air bon ça. Je peux te... Il est peut-être rangé dans le lave-vaisselle. Ou le frigo. Le frigo. Oui, bah pour mettre un lecteur de cassette. Ok. Je rappellerai pas, Peter, il me gonfle. Il va encore vouloir venir s'incruster le week-end, là, pour faire les photos et tout, c'est chiant. Photos de quoi? Je peux pas vous en parler, ça, c'est... Ça n'a rien à voir avec le jeu, d'ailleurs. Where is my fucking lecteur of cassette? Not in the bedroom? Aucun nom. Je peux prendre le radio réveil, ça fait pareil. Pourquoi on peut pas choisir ce qu'on peut emporter avec soi en trip? En voyage? Oui, en voyage chaud. Où c'est qu'il pourrait être son truc? Je vais imiter le cri de la cassette pour l'attirer un peu. Oui, je fais des rembobinages rapides. Le cactus, on peut prendre le cactus. Ah, il s'est fait un petit coucou à lui-même, The Land of Pain. Il y a le CD du jeu. C'est pas la vraie couverture, ça, c'est une version piratée, dis donc. Fais gaffe, hein. J'assume pleinement. La médisance et moi, c'est une grande histoire des relations très tumultueuses. Box, 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 mais ça fait rien. Oui, the move was exhausting, mais il est où ton fucking lecteur of cassette, eux? Sérieux, on va pas rester bloqué sur ça, les amis. Search. C'est tout ce que je déteste. On te laisse pas un indice logique. Il faut que tu tapes dans le tas, quoi. Tu vois la meute de foin? Allez, va chercher l'aiguille. Va chercher l'aiguille. Ça s'annonce mal. Bon, soyons pas médisants. Ça se trouve, plus loin, nous allons découvrir des sensations exaltantes. Bah oui, ça s'appelle un gros chargement, c'est ça? Non? Oh, aïe aïe, la médisance. Oh, le chargement de sa mère. Je vais chercher le rhum pendant ce temps, parce que je pense qu'il y en aura besoin. Je sais pas pourquoi. Intuition. Ouais, parce que je le vaux bien. Hein. Oui, toujours le petit godet. Ça sert à rien d'en boire beaucoup, c'est comme le parfum, quoi. Il en faut juste un petit peu pour tapisser et diffuser. On va avoir tout un appart à fouiller. On n'y est pas encore, au mode aventure. Alors, on vous largue là un petit peu comme une. Comme quelqu'un qu'on largue, quoi. Et vas-y, mon pote, démerde-toi. Vas-y, je peux pas savoir, c'est pas écrit dessus. Je me rappelle, j'ai même pas fait gaffe au numéro. On va toutes les essayer, ça se trouve, on va tomber sur une voisine sympa. La fameuse neighbor. Bah oui, mais c'est pour faire vivre, hein, les amis. C'est crade. Je préfère parce que là c'était vraiment. T'as pas envie de marcher dedans, quoi. Bah, qu'est-ce que t'attends pour y aller, mon gars? Squeak. The lights were on all this time. Ça sent le riffraff. Faut que je trouve des indices. Ça me rappelle ce formidable épisode de South Park où deux fans de paranormal avaient tendance à avoir des gros indices un peu partout.
Et on va se la jouer exactement pareil d'ailleurs. Vous avez vu ce reflet dans la télé? C'est une apparition de type 4. Je la reconnais bien, elles sont particulières, elles marchent que sur les télé Sony. Moi aussi, d'ailleurs, si j'avais les moyens et une équipe, je pense que je ferais des parodies de ces conneries paranormales parce que ça se pissait dessus de rire tellement c'est débile. Et c'est débilisant, c'est ça qui est affligeant. Il y a quelque chose qui bloque, hein. Ouais, bah, je vais passer par l'autre côté. Regarde, il y a une porte ici. Oui, mais. Ah! Tu vois? Ah! Non, là, j'y vais pas. Quoi? Non. Non, non, mais même. Oui? Comment ça, monsieur qui est une fillette, il aurait peur du noir? Mais bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'insiste. Ah non, moi, je suis pas bien dans le noir. J'ai trop d'imagination pour qu'on m'abandonne tout seul dans le noir. De toute façon, je suis un vampire, je me vois pas dans les miroirs. Scrooge, pourquoi il y avait un examen là? What happened to this mirror? Bah, j'en sais rien, pote, j'en sais rien, poteau. Oh, des Cheetos! Est-ce qu'ils sont encore bons? Page, je prends. Alors, c'est triste, mais pendant que vous lisez, moi je vais dire ce qui me plaît pas hein, déjà dans ce jeu. C'est con dans les jeux d'exploration, les indices qui clignotent en gros. Mais franchement, il y a des moments, mieux vaut avoir ça plutôt que de tourner en rond et de passer 10 fois devant un truc qui est nécessaire pour avancer. Et il va falloir revenir avant de dire ah purée c'était ça. Parce que ça c'est particulièrement détestable comme situation dans ces jeux. Je vais jouer un peu de piano, debout, ouais. Allez on y va. Il est où cet inter là? It doesn't work, dude. Dude. Dude, it's detto. Detto. J'y vois vraiment trop que dalle là-dedans. C'est les chiottes de toute façon, on y voit rien. Examine. Je vais super bien examiner là-dedans. Ah ouais, mais ah, le v'là. Ouf. Ah ouais, non, c'était... Jolie robinetterie cuivre, mais... There's something metal that's parking under this crate. Faut que je trouve un outil, un peigne. Ça c'est bien si je croise quelqu'un qui veut vraiment me faire peur. Non, j'ai pas le droit. Examiner les chiottes. Ça m'a toujours fait rire dans les jeux qu'on prenne le temps de poser un truc pour que le joueur puisse examiner les teuils. Il y a un côté à la fois risible et pathétique. c'est assez fandard quoi. Trouvez-moi des jeux. Nommez-moi un jeu où on ne peut pas visiter les chiottes alors qu'ils sont présents. C'est assez ouf hein. Est-ce un complexe des devs? Aucune idée. Ouais. Showing the gear. Ok, donc je peux poser quelque chose là-dessus. Et ça devrait actionner quelque chose. Genre bobinette, chera. Voilà. C'est mieux là? Faut que je trouve une autre statue en forme de cheval. Ok, ça j'ai compris, ça c'est à peu près évident. Où vais-je la trouver? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai un gros indice. La radio vient de me péter la gueule, littéralement. Et c'est une Connie. Parce que Connie, et voilà. J'avais pas trouvé mieux comme connerie à sortir dans l'instant. Ça restera toujours fermé, ça. Ouais, c'est toujours fermé. Alors, ce côté point and click, il est un poil abusé, quoi. Oh merde, que je suis con aussi. Va pas te couper avec les bouts de verre, hein. Oh, pas cher, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est quelqu'un? C'est la bouffe? Qu'est-ce qui s'est passé? Food, n'y touche pas. Trophée, je sais pas si ça se revend bien sur eBay ça.
Va peut-être dégager le chemin. Voilà. Voilà. Des fois qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe et que, je sais pas moi, par urgence, il faille trouver un moyen de partir. Par exemple, cette lampe est bien invitante. Ah ouais, non, mais qui c'est qui a... Je veux pas savoir en fait. Pas d'outils sous la main à récupérer. Examine. Hop, hop, hop. Ouais, ok. Allez, on va s'accroupir dans le. Je sais pas ce que c'est. Ben oui, c'est ce que. Oh, ce vieux chemin. Hein? Hein? Eh bah dis donc, c'était court mon ami. Alors très 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 honnêtement, sans méchanceté aucune, cette démo, elle vaut rien. Elle vaut rien dans l'état puisqu'elle ne nous dit pas si le jeu va être creusé ou pas. Et étant donné le contexte, et étant donné que je connais le produit précédent du dev, je vous invite à attendre une vraie release du jeu, ou une vraie bêta du jeu complet. Parce que très très honnêtement, j'ai pas trop confiance quoi. J'ai pas trop trop confiance. Donc, je vous l'ai dit en intro de stream, mon gros espoir pour ce nouveau titre de ce gars, ce serait qu'il, plutôt que de rassembler des scénettes et tricoter une pseudo-cohérence autour, c'est que cette fois, bah, il ait tracé un vrai scénar d'abord. Et puis qu'il soit démerdé à nous créer des scénettes qui correspondent à ce scénar. Ce qui ferait beaucoup, beaucoup plus professionnel. Bon, ben voilà, c'était tout pour la petite démo. On va s'en aller tranquillement comme on est venu. Do you want to exit game? C'est exactement ça qu'on va faire, bonhomme. The Alien Cube, bientôt dans toutes les boucheries. Ah, aujourd'hui j'ai le curseur qui part à droite cette fois, c'est pas mal. Et ne le ratez pas, enfin essayez la démo, mais enfin vous verrez pas plus que ce que vous avez vu là. Donc, moi je vous le dis tout simplement, attendez. Attendez avant de décider quoi que ce soit sur ce titre. Pour l'instant, on est dans l'expectative tout simplement. Si je diffuse ce stream, et ben. Comme d'habitude, à la fin, je dis toujours playlist, playlist, bouton d'abonnement et des bisous. À bientôt, ciao.